Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité concernant le pays d'Haïti, gros levé campé dans divers coins pays pour réclamer installation ancien sénateur élu grand dansant Guy Philippe dans le palais national dans tête d'un conseil présidentiel qui t'a dû remplacer et premier ministre Ariel Henry qui, dans le moment, n'a pas parlé à démissionner, n'a pas rappelé gagner des et 5 mars qui sont passés là en absence premier ministre Ariel Henry qui joue connouillé dans campé loin et bien tu as gagné un accord qui te joigne pour gagner un conseil présidentiel qui installé dans palais national conseil ça qui est à doué gain en tête de Guy Philippe magistrat Duré junior avec docteur Françoise et bien mesdames et messieurs jour moment n'a parlé à conseil ça il est toujours dans l'impasse bien que Moïse Jean-Charles li même mi kwè conseil là a installé quand même eh bien gagné là dans sens ça divers moun nan population qui levé campé notamment dans commune Kafou pour réclamer installation Guy Philippe dans tête pays d'Haïti malgré divers moun vraiment gen problème avec conseil Moïse Jean-Charles Pronia mais ça pas empêché gon l'autre groupe vraiment qui mettait pied au sous béton pour réclamer eh bien installation Guy Philippe dans tête et conseil là pour lui-même ni capable diriger pays parce que moun sa yo avancé yo di yo quoi c'est Guy Philippe qui capable vin changer situation pa bon ici et bien faut que nous di au commune Kafou à commune Delma c'était deux principales zones qui te gagné mobilisation dans cadre demande y a fait pour mettre Guy Philippe dans tête pays et d'Haïti toutefois gagné et petite Dessaline qui décidé pour le bouder et bien il membre Andy pour le pas participer dans conseil présidentiel CARICOM nan après le fin jwenn invitation pour te voyer un représentant et bien gagne CARICOM là qui déjà recevoir tout le monde qui t'a dû faire partie conseil ça à l'exception parti politique petite Dessaline qui pas décidé rentrer là-dedans et bien divers représentants yo même déjà disponible conseil là qui t'a dû installer soupe mais gagne vraiment là un dernier nom qui ajouté dans liste qui c'est docteur Louis Gérald Gilles qui lui-même mesdames et messieurs t'es vraiment là représenté à corps 21 décembre qui dans un premier temps t'es gagné gros mésentente pour t'es choisi un monde et ben finalement c'est docteur Louis Gérald Gilles qui choisi pour représenter et à corps 21 décembre nan conseil présidentiel si là et ben faut que nous dire au CARICOM qui dit li pap campé mais par ailleurs gagné Moïse Jean-Charles lui-même qui voyait jeter et bien et proposition ou encore décision CARICOM prend pour mettre un conseil présidentiel 7 membres dans le pays d'Haïti. Moïse Jean-Charles qui annonçait mobilisation au pape campé, il a continué à être mobilisé tout autant. CARICOM lui-même a continué à fourrer bouche dans cause pays d'Haïti. Il a été mobilisé pour même installer conseil paroi dans tête pays d'Haïti qui gagne là-dedans Guy Philippe comme président et magistrat Duré junior. Comme membre et docteur Françoise et Saint-Villiers qui t'a doué vraiment ces trois membres qui t'a doué dans le conseil présidentiel ça selon Moïse Jean-Charles eh bien mobilisation au pape campé yo fait qu'on est yo pral occuper béton pour empêcher à CARICOM li vinn installer conseil cette tête ça dans pays d'Haïti pendant yo fait qu'on est gain gros négociation qui a fait avec police nationale pour quitter au passé rentrer dans palais national pour y installer Guy Philippe comme président pays d'Haïti qui pral mener transition ça et bien après l'a gagné tout pour organiser élection pour faciliter un président élu démocratiquement prend tête pays d'Haïti point ça a développé dans VOA Creole nous pral inviter rete pour plus détails dans point ça et dans international là tout L'actualité concernant le pays d'Haïti, leader Petite Dessaline Moïse Jean-Charles, vient l'autre fois encore rejeté des démarches CARICOM pendant qu'il fait promotion pour un collège trois membres pour diriger le pays.
En Haïti, toujours, l'Église catholique campait loin par rapport à la formation Conseil présidentiel transition qui est presque complet dans l'idée pour Kimbe, d'après Saoudi, neutralité. Actualité internationale, guerre Israélo-Hamas, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, à travers un voyage dans le Moyen-Orient, engagé une autre fois encore dans la démarche pour joindre cessez-le-feu dans Gaza. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Aujourd'hui, c'est mardi 19 mars 2024. Un plaisir pour nous ensemble. Une autre fois encore pour nous, actualité à, et actualité pays d'Haïti à continuer à dominer les médias à travers le monde, côté qu'il y a parlé de Haïti. Et il y a un nouveau développement parce que CARICOM a parlé lui-même pour annoncé officiellement, membre qui a fait partie du conseil ou bien collège présidentiel de transition. Et il n'a pas fait l'unanimité parce que grand pile monde qui, un pile secteur qui dit ou pas d'accord avec conseil et présidentiel de transition. Parmi eux, gagné Moïse Jean-Charles qui fait une alliance avec Guy Philippe. Et Moïse Jean-Charles t'est rencontré à la presse aujourd'hui. On a l'ouest à peu près. Dans le moment communauté caribéenne, CARICOM presque arrivé dans bout de formation conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti, leader Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, rencontré avec la presse pour exprimer opposition par rapport à démarche. Le conseil, ça, non seulement, n'a pas empêché les salaires, deuxièmement, mais pour faire face à une opposition qui va bien quitter le travail parce que. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui fait alliance avec ancien sénateur élu Grandance, ancien rebelle Guy Philippe, lance une mobilisation pour camper en quoi contre installation conseil présidentiel transition et fait promotion pour un collège trois membres Cap Geladon, Madame Françoise Saint-Ville-Villiers. Je dis à nous dire clairement. Cependant, Grégory Mix, qui représentait New York dans la Chambre des députés américains, croit c'est un gros danger pour ces gangs qui prennent le pouvoir, il était parlé avec la Voix de l'Amérique. Because we cannot allow the gangs that seem to be led. Monsieur dit, nous pas qu'à quitter gang que semblait Guy Philippe avec barbecue à diriger prend contrôle Haïti. Nous pas qu'à quitter ou contrôler pays. Décision collège présidentiel transition 7 maintenant, t'es prend naissance après rencontre d'urgence CARICOM t'es réalisé dans Kingston, Jamaïque, en présence d'un paquet l'autre partenaire, un paquet l'autre pays, tant qu'aux États-Unis, la France, Canada, Mexique, Brésil, et après tout, annonce démission Premier ministre haïtien Ariel Henry. Pendant que la communauté internationale, là, parmi aux États-Unis encore, la France, Canada et Nations Unies, continue à mener des marches, non seulement pour gagner une transition qui a débouché sous élection dans le pays, mais tout pour continuer avec processus pour une force multinationale à Kenya dans tête li, déployée dans le pays d'Haïti pour faire face à gangs armés qui continuent à faire sang couler dans le pays d'Haïti. Et puis, et dans le pays d'Haïti, toujours, il y a plusieurs manifestations. Manifestations qui fêtent notamment en faveur de Guy Philippe. Par exemple, il y a Pestel dans Grandance, qui c'est Bastien et ancien sénateur élu Grandance là. Et bien, ils ont dit que yo pour Guy Philippe. Mackinson Charles, sous place, c'est journaliste. Non? Dans l'occasion de la célébration 200 l'année par paroisse Saint-Joseph dans la commune Pestel, c'est l'occasion pour Véroa Créole de rencontrer ancien sénateur et grand-ancien Guy Philippe que divers secteurs a demandé pour venir diriger tête pays dans une transition qui gagne là-dedans trois membres. Ancien sénateur Eli Grandaslan, qui pas voulu prendre la parole dans Micro La Presse, confirmé pour nous, effectivement, ancienne ambassadrice pays les États-Unis dans le pays d'Haïti, Pamela White, te contacté dans le téléphone et il te parlé ensemble avec lui. Puis loin, ancien sénateur Grandaslan fait connaître diverses ambassades qui déjà contacté sous conjonctif pays. Nous t'ai rencontré avec divers monde qui t'ai profité de parler ensemble avec nous dans l'occasion si là. Eli Naptan, parce que tout est parlé même là, nous pas sentir nous à l'aise. Parce que c'est lui même qui va parler avec maman nous là, pour actuellement là, parler de Guy Philippe. Parce que c'est lui même nous besoin. Parce que tout est parlé nous besoin, puis c'est là pour entrer, Haïti a entré dans tout. Il n'y a pas de solution. Parce que, monsieur lui même là,
li confortable pour le ranger pays pour ba pays sécurité bon pour ba logement pour ba tout bagage net tout ça qu'on est café ou la faire. Ancien député Pestel la 48e à 50e législative Ronald Etienne t'es profité pendant passage Véroa Créole dans Pestel pour te parler sous conjoncture paysan en même temps dit y a pillé proposition qui fait pour mettre Guy Philippe dans tête paysan yo vini rapidement avec une question de CARICOM qui te dit le pas rentrer dans dossier Haïti encore si yo pas si haïtien pas d'une inviter et tout d'un coup yo arrête yo très intéressé ça veut dire CARICOM c'est une organisation de zone là mais qui manipulée par les États-Unis d'Amérique et qui vini avec proposition ça pour couper lutte haïtien. Alors nous que peuple haïtien pas prendre ça et peuple haïtien camper debout sous tout groupe yo, sous tout réseau yo, et sous tout béton, hein, après revendiquer, dans la diaspora, après revendiquer Guy Philippe au président qui va faire une transition démocratique, qui va permettre que nous retournions à la normale et nous rejoignions la paix dans le pays. Depuis Pestel, Mackinson Charles, au VOA Créole. Après le conseil présidentiel de transition, sont produits plusieurs partis qui étaient réunis dans réunion d'urgence qui était faite dans Kingston, Jamaïque, là, côté que c'est plusieurs acteurs, plusieurs protagonistes dans le pays d'Haïti qui étaient by position et au voyez non dans le conseil là. Et n'a gen pi devant plus explication. Pendant ce temps, gen manifestation, nous avons parlé de manifestation, mais gen manifestation dans Kafou en faveur Guy Philippe. Si il y a mon honnête, sérieux et de bien qui a capacité la donne toujours. C'est vagabond piaget, gangster qui toujours prend le règne, qui toujours comprend qu'il est capable de mener nous. Mais fois ça nous dit que forme de gouvernance ça, il n'y a pas aucun côté capable d'aller encore. C'est pour ça que nous-mêmes nous devons nous déposer. Nous dit que nous apprenons une nouvelle Haïti, une autre forme de gouvernance. Pas qu'il y a d'autres moyens pour nous faire lire qu'avec une révolution parfaite qui est dans la tête de Guy Philippe. Sauver nous, c'est Guy Philippe. Guy Philippe qui ont autorité, ont chef, ont une responsabilité, ont qui connaît les gens qui ont besoin de bagaille, qui connaît côté révolution nous sorti, côté le thé, côté nous venir kounya, qui ouais Haïti pas droué, souffrir dans place côté nous y est là, nous avons dans l'état ça. Et bien, et ça fait que je dis à nous prendre la ria pour nous dire, victoire c'est dans mes peuples haïtiens avec Guy Philippe. Nous pas besoin aucun autre monde, ni blanc maintenant, nous pas besoin aucune organisation étrangère qui vous fouille boucher, qui dit mais ça haïtien vle. Je dis à nous pas mettre Guy Philippe dans le palais national. Alors ça va être destination là, son bail. Destination au palais national. Jodi a là, nous dit ces derniers jours. On dit c'est Guy Philippe nous voulons dans le pays. Nous pas besoin qu'un monde qui a vu une PC sous ses, qui a vu un grand peuple pour piger, pour faire ça, on te fait avant. Nous avons un monde qui peut décider pour nous aujourd'hui. Dans nous, c'est Haïtien, c'est nous pour décider pour tête. Nous pas besoin qu'un monde qui a vu dire, mais qui est sa bonne, mais qui est ce besoin, mais ça nous besoin. Non, c'est nous qui mettons tête. Nous. C'est nous qui avons dit, nous voulons dire, nous voulons Guy Philippe, tête de l'Empire national, vive révolution pour l'autre Haïti. Donc c'était déclaration quelques manifestants qui étaient manifestation qui était déroulée dans Kafou dans commune Kafou tout près capitale là. Pendant ce temps hier tu gagné une réunion à huis clos donc à toute porte fermée sous Haïti dans Nations Unies c'est Conseil sécurité Nations Unies qui était réalisé et réunion ça nous gagné sous place dans New York Valérie Saint-Louis. Dans la réunion Conseil sécurité Nations Unies qui était faite hier lundi 18 mars derrière porte en privé, Bureau Nations Unies pour coordination affaires humanitaires et organisation OCA t'est présenté un rapport sur situation humanitaire dans pays. Yo t'ai dit que situation dans Port-au-Prince était sous en pile tension. Yo bay rapport fait qu'on est que l'école, l'hôpital et édifice gouvernement yo continue à subir attaque. Dans journée 17 mars la compagnie électricité publique là t'est fait qu'on est que plusieurs sous-stations électricité dans zone métropolitaine Port-au-Prince ont été détruites. Ça quitté plusieurs zones sans courant. Malgré situation tension, Nations Unies ak patnè humanitaire yo a continué bay aide. UNICEF ak patnè li yo bay plus passé 242 000 gallons d'eau depuis commencement mois de mars là. Pendant que organisation World Food Program ak patnè li yo te bay plus passé 146 000 plats chauds et yo bay moun ki te traumatisé par violence qui saute passé là yo, si pop psychosocial. Secteur santé a continué à pliter à cause manque de provision médicale. Travailleurs soins santé dans l'hôpital Bernard Mezio, dans Port-au-Prince, te recommencé peu
frappé activité yo grâce à Sipo OMS et organisation santé panaméricaine qui bail médicaments et équipement médical yo bail l'hôpital université d'état l'hôpital la paix l'hôpital Eliezer Germain dans Pétionville et dans Port-au-Prince yo stock médicaments anesthésie après première livraison fourniture pour centre national transfusion sang organisation OMS continue bail l'autre fourniture pour assurer que yo continue activité bail sang yo plan de 674 millions de dollars pour besoin à réponse humanitaire pour Haïti année ça financé à 6.5% avec 43 millions de dollars qui te recevoir jusqu'à date. Support en plus nécessaire en urgence parce que ressources actuelles yo pas assez pour répondre à quantité monde qui n'en besoin. Et juste après réunion ça qui t'est faite en Conseil de sécurité Nations Unies en Dayport, correspondant VOA, la voix de l'Amérique pour Nations Unies, t'est rencontré ensemble avec ministre Affaires étrangères pays Jamaïque là, qui c'est madame Kamina Johnson-Smith. I took the opportunity to brief the council on the development since the meeting in Kingston. Moi j'ai profité informer Conseil sécurité à sous développement qui fait depuis réunion dans Kingston mois passé à le 11 mars côté que CARICOM t'est facilité ensemble avec partenaires internationaux yo yo réunion avec plus passé 60 acteurs et partis haïtiens yo et puis ont arrivé à un arrangement qui considéré comme un chemin pour retourner sur route démocratie. Première étape là sous chemin ça c'est établissement conseil présidentiel transition. Ça qui va déclencher sous nomination du premier ministre provisoire. Donc discussion pour mettre conseil ça sous pied et discussion en route. Il y a bien progressé. Et c'est une réalité pour membre conseil présidentiel parce que après que bien établi et conseil présidentiel et ben il y a pas parler pour déploiement rapide force MSS là et ça important pile, c'est ça prochaine étape là. L'impossible est moins espérer que nouveau conseil présidentiel là pour annoncer pas trop longtemps. Correspondant VOA te demandé est-ce que vous au courant de rapport qui sorti jodi a que FBI te mette premier ministre Ariel Henry nan prison. Est-ce qu'on a information sur ça? Ministre Affaires étrangères jamaïcain te répond. C'est la première fois que j'entends ça. Donc non, je ne suis pas au courant. Après ça, c'est l'ambassadeur pays Canada dans les Nations Unies, Bob Ray, qui te répond une question dans le micro VOA. Nous avons une discussion très intéressante sur la gravité de la situation. Mais la chose qui est clé, c'est avancer sur le front sécurité. Et ça, c'est une chose clé qui est plus importante qui doit être faite. N'importe décision qu'a prend c'est haïtien qu'a prend. Kenya était toujours dans discussion yo et Kenya était très clair que une fois que processus là était établi pour créer un conseil de transition avec un premier ministre intérimaire, ça c'est un processus constitutionnel qui pral marcher et moins pas ouais rien qui t'a suggéré que Kenya pas contribuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Et puis concernant la communauté caribéenne, et bien la classe politique haïtienne, Captain Réaction CARICOM après ancien député Vickerson Garnier, fin confirmé choix ancien sénateur Louis-Gérald Gilles comme représentant à COP 21 décembre dans le Conseil présidentiel transition. Oui, dans Toussaint, depuis Port-au-Prince. Après plusieurs jours de tractation entre bloc majorité et minorité à COP 21 décembre 2022, ancien député Vickerson Garnier, Youn nan candidat pour membre conseil présidentiel la, confirmé désignation choix ancien sénateur Louis-Gérald Gilles comme représentant signataire accord 21 décembre 2022 dans conseil présidentiel cette membre que communauté internationale a appuyé. C'est confirmé, oui, et si nous remarquons que les petits transférés non et docteur Gilles, c'est moi-même avec député lui jeune le vaillant qui transférait le bail CARICOM. Donc c'est confirmé, oui. Donc nous-mêmes, nous pas de blé rete dans la dynamique côté que pour crise là a perduré et nous pas de blé rete dans la dynamique côté que pour nous et pays à non carrefour extrêmement difficile. Ancien député Vickerson Gagné avec le vaillant lui jeune qui était désigné avant ça, pas de fait unanimité. C'est sous base ça, deux anciens parlementaires joignent une entente. Il y a un peu de monde qui a doute sur la réussite mise en place du collège présidentiel là, s'il est arrivé installé qui papa rempli mission, à savoir réviser la constitution, régler question insécurité et organiser élection générale dans le pays à cause de trois divisions qui a gagné entre eux. Ancien député Vickerson Garnier répond Mounsayo. Nous lançons un appel à tout le monde qui parle dans le conseil là. Pour que yo quitte question interpersonnelle individuelle qui éventuellement capable animer par rapport avec groupe yo mais yo mettez Haïti devant. Après choix ancien sénateur Louis-Gérald Gillan, CARICOM gen kounia 6 noms pour mise en place conseil présidentiel transition. Collectif parti politique 30 janvier désigné ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, famille Lavalas,
Leslie Voltaire, regroupement aidé RED à compromis historique, ancien ministre Marie-Ghislaine Monpremier, à Comontana Fritz Alphonse Jean, secteur privé Laurent Saint-Cyr, à accord 21 décembre 2022 Louis Gérald Gilles. Parti politique Petite Dessalines t'est invité pour désigner un représentant, mais l'idée structure ça, Moïse Jean-Charles, rejeté l'idée ça, côté lui déjà proposé un conseil présidentiel toi-même. Renaud Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, toujours concernant le conseil présidentiel là, bien, l'église catholique qui campe loin par rapport à projet conseil présidentiel ça, qui presque complet dans l'idée pour yo kembe, d'après ça, on dit neutralité. Yo. Yves Manuel. Conférence évêque pays d'Haïti yo démenti information que t'a fait quoi yo t'a voyé représentant l'église catholique dans conseil présidentiel là CEH là pas mandaté personne pour représenter l'église catholique dans mitan conseil présidentiel là ni anken structi dans gouvernement c'est ça nous capable dans une note pour la presse qui sorti semaine ça toutefois évêque catholique yo fait appel à qu'on entente côté tout monde la donne au bénéfice de peuple haïtien. CEH la exhorté pour mettre en bout dans escalade de violence et encourager une transition pacifique vers un gouvernement inclusif pendant yo invité tout haïtien pour voir jeter violence là et favoriser progrès pays d'Haïti. Avant position ça, pape François t'a encouragé dimanche acteur haïtien yo pour mettre de côté intérêt individuel yo dans l'idée pour travailler ensemble vers bien commun pendant souligner importance pour bâtir institution solide avec soutien communauté internationale. N'a rappelé conseil présidentiel transition gagne désormais 6 membres avec représentants divers partis politiques à regroupement tant coup Edgar Leblanc fils, Leslie Voltaire, Marie-Ghislaine Monpremier, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr et lui Gérald Gilles. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Ou toujours sur VOA Creole, on va suivre un programme dans langue créole haïtien. Nous connaissons que la République dominicaine est même très présent dans la crise pays d'Haïti et gagner en pile déportation qu'a fait sortir en République dominicaine pour entrer dans le pays d'Haïti. Et c'est ça que fait VOA Creole, voyez, et envoyé spécial li, Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, lui-même qui était sous frontière et Haïti partagé avec la République dominicaine. L'abdi nous saloué, saldande. Clin et pour information ça qui sont ça en tout cas m'a dit que je dis à ce deuxième jour nous dans Darabon et côté nous vienne justement regarder ça qui a passé dans immigration ça qui a passé par exemple et sur question immigration n'après que autorité immigration et autorité dominicain au très et accentué grand pile haïtien qui retourné moi-même depuis là il y a une trentaine déjà qui passé et mon ça yo on regarder gens regarder des dom là c'est mon là arrivé là c'est mon qui vient volontairement yo seulement et garde yo fouiller yo pour si yo pas porter bail qui interdit et pour sortir sur territoire dominicain mais après ça fin checker mais c'est pas mon qui passe pratiquement dans immigration yo sorti yo prend autobus qui les mener au vin là et puis après ça yo rentre à pied et yo pas traverser puis aller du côté haïtien oui et pendant moi là tout Jacques m'a dit que moi seulement moi constater gain un autobus et dominicain un gros autobus qui menait immigrants un groupe immigrant vient déposer là c'est ça son routine chaque jour yo mener immigrant vient là et déposer là l'aime demander avec mon ami gain du côté immigration gain monde immigrant et immigration captain yo les autorités dominicaines déposer après fin faire processus et empreinte digitale etc. et bien et ça on fait avec yo et bien yo mener yo aller et autorité haïtien au prend yo et justement pour faire suivi avec eux avant certainement ils veulent aller dans pays gagne une organisation qui là c'est gars qui tient certainement même tout à assister et haïtien mais comment jour gagne on va et vient là qu'on y a et chiffre là pour augmenter je dis à son jour qui calme apparemment parce que pas gagne marché mais gagne l'autre activité gagne haïtien qui a rentré qui pour venir et pour venir justement venir rencontrer avec venir pour rentrer là mais c'est des volontaires qui peut-être eux même y entrer pour faire et retourner là c'est ça et monsieur c'est volontairement retourner en Haïti. OK quand on sorti en Haïti on sorti taillé rouge et depuis qu'il on en retour même venir on gagne un mois
Ou t'habites en République dominicaine? Oui. Et ou vini kounya avec on tourner la caillou? Moi retourner la caillou parce que moi m'pa rien qui puisse y aider, à pas m'pa courir pour chef. OK. Mais on pas gain document en République dominicaine. M'dé gain document, m'dé gon ti papier, il fini yo bon problème avec m'pa y va tourner. Ou tourner d'accord. Et kounya ko pa le pas teyer ou chouya. Exactement. D'accord parce que tout monde bien content. Oui oui, mon est content. Merci beaucoup. On pas dit moi le nom et même pas. Oui, dis non. Même côté nous sorti teyer oui. C'est où sorti et où en République dominicaine, on pas gain document, document fini. Mais il fini. Il fini, yo pas veut checker pour nous mais voilà, d'accord, voilà. Voilà, c'est quelques compatriotes que nous parlons avec eux là. Et justement, eux même c'est moi qui retourne volontairement, qui était en République dominicaine, mes documents ont fini. Eh bien, autorité, eux même au lieu que ils ont pas renouvelé permis, ils ont gagné, ben ils ont dit au lieu de dépasser misère, pour ils bail. Donc, ils ont décidé eux même retourner la caillou volontairement. Mais comme on dit, c'est pas arrêté, arrêté, c'est moi qui décide de retourner parce que la situation est beaucoup plus compliquée pour eux et ils pensent pas qu'ils retournent comme ça. Donc nous prenons le signe, par exemple, il y a un autre immigrant. Madame, bonjour, comment vous êtes? Madame, bonjour, comment vous êtes? Sous la voie de l'ami, comment vous êtes, madame? Vous pouvez parler? Dis-nous, comment vous êtes? Bon. Mon yo parle parler là nous ka gade en wa nan prend un groupe canadien qui vient là et groupe canadien ça ou là c'est un groupe canadien qui est sur le Canada et ou vient là justement vient ouais situation sous frontière non pas connait si a veut parler avec nous mais quand même yo t'est entré là et ont demandé permis yo permettre que yo vienne sur frontière justement pour y venir nous connait que grand communauté canadienne qui est une communauté haïtienne qui est au Canada donc très certainement ont été ici pour ta connaître mais c'est mon c'est des missionnaires que eux même voilà c'est comme ça lié mais voilà Jacqueline c'est là elle a nous rappel avec actualité ça pour nous et n'abtourner nous avons quitté d'abord ces dernières visites nous et nous parler très certainement Santo Domingo et nous avons invité les spectateurs de la Voix d'Amérique qui ont pu rencontrer avec nous encore et le plus vite que possible pour nous parler de ce qui a passé l'autre bord dans le pays espagnol. Donc c'était envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe qui trouvait en République Dominicaine pour le capable ça cap fait en termes de déportation et l'autre actualité tout qui gagne rapport et avec Haïti et dans l'autre réaction par rapport à crise pays d'Haïti nous prenons dans New York avec Glorieuse Nelson. Gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après installation conseil ça. Une semaine après Premier ministre Ariel Henry annoncé démission, Haïtien en Brooklyn exprimait doute yo gagné sous prochaine étape qui t'a doit débloquer crise pays d'Haïti a fait face là. Yo longe doit sous difficulté qui gagné pour joindre 7 membres conseil présidentiel qui t'a doit prendre pouvoir Jean Akor Caricom dans si géré ça. C'est pour moi-même, Ariel Henry pas jamais été chef pour moi-même. On ça c'est là gain ou mais cap trangler nous en Haïti. Donc, je ne sais pas si les Américains supportent ça, parce que les Américains ne parlent pas de même monde qui aime nous. Vous comprenez? Je ne sais pas si aucun grand monde qui a fait pour nous là. Aucun grand monde qui a fait pour nous. Restez Ariel, nous soutenons tout Michel, tout Elio, nous soutenons Michel, ou prenons Jovenel, ou prenons Ariel, tant que nous n'avons pas besoin de grand monde encore. C'est nous tous qui pouvons représenter un seul vaudou. Est-ce que le collège président, c'est la première bagarre qui a fait nous? Ou sécurité. Est-ce que le cas ramasse les armes dans le même temps? Plusieurs dans le monde qui répond à la question, nous avons estimé qu'il y a trois personnes dans le conseil présidentiel. Il y a quoi l'idée où tu as besoin d'une plus capable de joindre une personne au lieu de sept? Concernant le collège électoral, là, ça c'est un bagage qui vit trois vases. On considère qu'il y a sept membres, c'est sept présidents qui ont besoin. Si tout le monde a besoin en Haïti, il dit qu'il y aurait un pays. Si nous aimons le pays, nous sommes supposés faire un choix. Voyons seul monde et puis bon président pour nous décoller avec le pays. C'est nous-mêmes à essayer de prendre conscience de nous-mêmes parce que nous avons un pays. Peut-être que certains monde qui disent que nous n'avons pas une nation, nous avons un pays. La vivre que là-dedans. Parce que nation, si jamais que nous avons une nation, nous devons faire unir nous et puis nous traiter toute bagarre à la normale. Mais en allemand, le cas que nous vivons qu'on y a là, c'est CARICOM. C'est les États-Unis, le département d'État qui a réglé rien pour nous. C'est nous les Haïtiens pour qui chita ensemble pour régler. Vu que CARICOM veut tel bagaille, jusqu'à cette date que nous parlons, et que gagnons certains secteurs qui pas accepté 10, qui pas accepté date. Mais j'ai l'impression que si on facilite les Haïtiens et on chita ensemble de quoi pour nous et que ça nous a fait,
il est le meilleur. Si quelqu'un monde nous parler et quoi dans une solution entre haïtiens, gade l'autre qui pas gain aucune confiance dans acteur politique qui souterrain. Même là où yo sept là pas mettre de ensemble pour le moment, après pas le bon chier puis entre eux même encore. Pas quoi bon Dieu seulement qu'a dit un mot pays. Parce qu'on ne peut pas qu'on sacre dans tête chaque grand nèg moun za yo. Moun ki vous faire confiance à Mbogowel. Mbogowel. Glorieuse Nelson Pouvéoua Creole, Brooklyn. Merci Glorieuse. Et dans le rapport, nous sommes dans les Nations Unies, dans la réunion qui fait hier là, où tu as parlé de problèmes de sang dans le pays d'Haïti. Et collègue nous, Gentil Augustin Junior, tu as parlé avec Luino Robillard, qui fait partie du club 100%. Yon moun ki leve ki jal bay san, wap tandem la, ou son héros? Ou son héros paske ou décide pou bay son pou sauve la vie moun? Nan kad yon interview ak VOA Creole, Luino Robillard te pale sou fason Combat 100%, yon groupe jen ki mette ansam pou kolekte san pou rend disponibilite li si tout nan moman insécurité sa. Kote an pil moun ap victime ak bal maron. Comment groupe ça t'est arrivé mettre sous pied? Combien de 100% li fondé sous des expériences personnelles que nous gagnons, des monde que nous tendez qui mouri pour problème ça et puis là nous dit nous pral bay coup de main par nous dans trois champs. Nous pral bay ça, ça veut dire n'a pas d'organiser collecte, nous a fait sensibilisation, n'a sensibiliser population hein? Et en même temps tout, n'a fait formation et quatrième nan c'est garder comment nous capable et faire des plaidoyers auprès des autorités sanitaires pour que yo améliorer système transfusionnel dans pays d'Haïti. Parce que Léon Monal bay ça par exemple dans CNTS là, il prend trop de temps pour mon bay ça. Faut nous garder comment nous capable réduire temps ça pour nous pas perdre trop de temps. Et là on a besoin sans tout. Est-ce que c'est dans moment mon a besoin ça pour l'obliger vienne bailler sans pour joindre ça. Pour que ça sans pas tout dans l'hôpital là où maladie a tant ça. C'est tout ce sont des bagages à essayer comprendre pour nous aider pour des solutions. D'après Luino, tout le monde doit al bailler un petit goutte sang parce que ou pas connait qui l'a besoin sang, soit pour ou pour un proche ou et la trier. Mais pour qui ça les yon moun bailler sang, li pas ka joindre sang pour malade li a. Et qui ça qui t'a dû fait pour résoudre problème ça. Premier bagage la série vient sensibiliser population qui nous a encouragé depuis au joindre opportunité à Cial Baïsan. Après le film Baïsan, gagne 4 autres bagages qui pour faire. Gagne point sang, traiter sang, stocker sang, distribuer sang. So 4 bagages ça yo, m'pense faut que l'état réponde avec logistique li capable répondre avec yo. Si par exemple gagne 50 demandes. 50 demandes lancer deux mon à deux pochettes, trois pochettes et puis gain 25 pochettes sang. So est-ce que li ka lever 4 pochettes sang remettre un grain de monde? Ça veut dire li essayer faire une distribution équitable parce que ça qui gagne en trop petit et gagne un paquet de demandes. Demande sang très haut en Haïti. Mais quantité kapofria pa ka répondre ak demande sa yo. Ça qui konn la cause moun perdit la vie yo. Premièrement, désolé parce que on moun pas supposé mourir pour un pochette sang. Ça pas ta supposé fait, mais deuxièmement c'est dit moun ça qui ça moi même avec les noirs fait pour on l'autre monde dans famille ou bien dans famille pam pas perdre la ville dans même situation ça. C'est pas fait bac, il y a des monde qui dit ah moi même famille mouri dans ça m'pas mais soufel c'est un irresponsable qui ouyé non sens pour qui ça parce que ou a un problème ou couri quitter problème nan ou bien ou assez égoïste pour dire à cause moi t'ai perdu un proche moi pas de résoudre problème ça. Yon gout san ka sauver la vie. Li pa kon ni koule, ni classe sociale, ni niveau vie ou l'on besoin gout pou la. Pour ça, Luino Robillard mande tout haïtien an fè Combat pour collecter san pour ka continuer sauver la vie. Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Et puis dans l'international, le président Joe Biden parlé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, li gen pour voyager dans la région Moyen-Orient pour négocier une solution pour joindre une trêve dans la guerre entre Israël avec Hamas. C'est là que nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Moi, c'est Jacques Lavelizère. Bonsoir.